Sinon là. Écoutez, on va tout le monde n'est pas encore là, mais presque, donc on va peut-être pas attendre plus longtemps, on va commencer. Mais écoutez, d'abord, je voulais vous remercier, aussi bien les participants que les orateurs. De nous avoir fait la gentillesse de venir passer ces deux journées avec nous autour du thème de l'intelligence artificielle. Donc moi je suis le délégué des rencontres, c'est-à-dire que j'étais en charge de l'organisation matérielle. Je voulais vous dire que je pense que vous avez tous eu un petit programme, on a une journée assez chargée, plusieurs interventions, des ateliers, il y aura une pause quand même café au milieu de journée. Je voulais aussi demander à Aurélien Farbac de venir pour vous présenter qui est responsable d'une start-up qui s'appelle PeopleRise, qui va vous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit et vous aurez la possibilité de l'utiliser pendant ces deux demi-journées. Jean, avant, ce que tu veux, c'était le programme de la journée et des deux jours. Oui, tu peux le mettre, voilà. Ça m'évite de. Vous avez le programme. Si vous le voulez en version papier, c'est bien. Donc vous avez le programme jusqu'à vous avez fait remarquer, jusqu'à bientôt d'anniversaire à minuit. Pour rien. Donc ça, c'est le programme d'aujourd'hui et ça, c'est le programme de demain. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Aurélien, le CEO et cofondateur de PeopleRise, qui est une start-up qui fait des sondages. Donc, chez PeopleRise, nous avons une conviction, et une conviction forte, qui dit que le sondage, actuellement, il est mort. Le format de poser des questions pendant 20 minutes, je ne sais pas pour vous, mais qui a déjà pris plaisir à répondre à un sondage pendant 20 minutes? Oui, non. Et surtout, qui n'a jamais donné de fausses réponses ou alors des réponses hasardeuses? Nous partons du principe finalement que ces sondages-là sont finis. Et ce que nous voulons faire, la conviction que nous avons chez PeopleRise, c'est qu'un vrai sondage, un bon sondage, c'est un sondage qui va vous plaire. Pour cela, avec mon équipe, nous sommes quatre actuellement basés à Lille, nous avons développé un système qui permet justement de gamifier ces sondages, de les rendre beaucoup plus attrayants, beaucoup plus sympas, interactifs. Et tout ça, finalement, pour les entreprises et puis pour vous. Mais les rendre simplement fun et interactifs, ce n'est pas suffisant. Ce que nous avons voulu faire, c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est finalement de faire en sorte à ce que le sondage soit disponible pour tous. Et donc, nous sommes fiers de pouvoir vous annoncer que très très bientôt, chaque personne pourra avoir un petit institut de sondage dans sa poche, de façon gratuite et complètement illimitée. J'attendais des applaudissements, mais c'est pas bien. Et donc, pour faire tout ça, nous avons voulu dynamiter les codes du sondage, c'est-à-dire, au lieu de faire des longs questionnaires, les rendre beaucoup plus attractifs avec une application mobile. Alors malheureusement, je n'ai pas eu le temps de mettre la présentation, mais c'est très simple. Pour ça, je vous invite à télécharger PeopleRise sur votre smartphone. Et donc, pour dynamiter ces codes, ce que nous avons fait, c'est que n'importe qui peut poser des questions à un panel qui va être à la fin qualifié. C'est-à-dire que si vous voulez savoir si dans votre ville les gens sont pour ou contre le nouveau plan de circulation, le nouveau feu rouge qu'ils ont introduit sur la place du marché, ou bien pour des questions un peu plus triviales, mais sinon importantes comme « Que pensez-vous de ma dernière paire de lunettes ?», la promesse que nous vous faisons, c'est de vous trouver les bonnes réponses le plus rapidement possible. Et aussi, nous pouvons faire en sorte à ce que, ici, lors de ces journées à Bélienne, de pouvoir vous poser des questions ensemble et obtenir les réponses de l'ensemble des indéniens qui sont présents. Alors Véronique m'avait demandé, en sachant tout ça, si on pouvait utiliser PeopleRise ici. Donc je lui ai répondu oui, forcément, on était heureux. Et donc à ce moment-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est très simple en allant sur PeopleRise, vous inscrivez. Alors malheureusement, j'aurais bien aimé vous montrer la présentation pour le trajet, mais vous allez dans les communautés, vous inscrivez sur PeopleRise, le mot de passe c'est Adélie8,
tout en muscles. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir poser des questions à l'intérieur de la Daily, à l'intérieur de Peopleize, mais aussi obtenir les questions que les organisateurs vont poser tout au long de ces journées. Comment ça s'écrit ? Alors, Peopleize, c'est People, Eyes, avec deux œufs au milieu, tout attaché. Et il faut absolument tout attacher. C'est E-Y-E-S, comme les yeux en anglais. Et vous n'êtes pas sur un de ce temps-ci ? Pardon ? Si, si, normalement, on est sur les autres. On a été validé il y a deux jours. On est très fiers aussi de vous l'annoncer. Mais là, ça n'avait pas d'aboutissement. Ah, ok, merci. Pardon ? Il n'y a pas de point. Tout attaché. Normalement, c'est écrit sur le programme, tout en haut. Le wifi gratuit de l'hôtel. Alors, il sans wifi, c'est un peu plus compliqué. Ah non, mais vous avez le wifi. Quand vous connectez sur le wifi, vous avez vous cliquez directement sur la dame du grand hôtel, et il n'y a pas de mot de passe. Vous allez juste enregistrer et à mettre le bureau de votre chambre. Exactement. Avec une faute d'orthographe parce qu'on aime les fautes d'orthographe. Exactement. Si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de photo et donc il n'y a pas de question. Donc normalement, quand vous vous connectez la première fois, vous allez voir les photos qui ont été postées par notre communauté. Donc ce sont des photos et des questions qui viennent un peu partout. Alors principalement en Lille, parce qu'on vient de Lille. Et donc nous, ce que nous faisons aussi, ici aujourd'hui, c'est de tester l'application, car nous sommes en phase de rodage. Nous commençons les tests, et là, c'est notre première série sur le mois de mars, le test, qui va durer jusqu'à fin avril. Et c'est pour ça que je serai ravi d'avoir tous vos retours, surtout ceux qui sont négatifs. Ça, c'est très important, ceux qui vont bien. C'est cool, mais si là où ça va pas, c'est exactement ce qui nous intéresse. L'application ne vous intéresse pas, dites-moi pourquoi. L'application n'est pas gravatisée, dites-moi pourquoi. Ce sera génial, vous serez rapidement suivi. Il n'y a pas de site, il faut passer par là. Exactement, il faut passer par là. Oui, madame. Pardon ? J'ai le business model. Ah, bah c'est très simple. Nous faisons des sondages, et ce que nous faisons, c'est surtout proposer des sondages illimités. C'est-à-dire qu'un outil, alors une fois qu'on aura un panel, mais un outil de sondage avec panel propose environ la question à 1 euro par personne. Donc c'est à peu près un sondage d'opinion 8000 euros. Nous, ce que nous voulons faire, c'est qu'avec le modèle que nous avons mis en place, c'est simple, pour 8000 euros à l'année, vous avez l'équivalent de 20 millions de réponses que vous pouvez obtenir. Et derrière, nous allons rajouter des features d'intelligence artificielle, parce que on est au bon endroit, d'analyse de données, d'analyse sémantique, pour vraiment comprendre comment fonctionnent les communautés. Donc par exemple, qu'est-ce qui vous intéresse au sein d'un délit ? Pourquoi ? Quelles sont les questions que vous posez ? Et quelles sont les thématiques qui reviennent le plus souvent ? Attends un peu, attends un peu.
Tu veux la télécommande? Si tu veux. Donc, nous allons parcourir plus en 15 minutes, je ne vais pas dépasser, les 40 ans de notre association. Alors, si vous voulez, vous rappelez qu'en 1978, l'informatique c'était ça, c'était les grandes salles machines. Et maintenant, on a une informatique dans l'image. Et on va passer tout rapidement, en un quart d'heure, se dérouler. Le verre. Alors, on s'est créé en 1978, et à l'origine, comme vous le voyez, cela voulait dire l'association pour le développement d'un jeu informatique. Donc à l'époque, on faisait surtout des développements, et ce qu'on souhaitait, c'est introduire de la logique dans ces développements. Donc on s'est appuyé pour ça sur les travaux d'un monsieur qui s'appelait Jean-Dominique Varnier, qui va sortir quelques ouvrages, dont vous avez le nom ici, sur la construction de programmes, sur la conception de systèmes et sur l'analyse des résultats. Et il montrait, pour construire des programmes, que le programme était un opérateur qui transformait un ensemble de données en entrée en un ensemble de données en sortie. Je vous passe le détail, on va pas faire le coup ici. On s'était créé en 1978 autour essentiellement des organismes de formation et aussi des grandes entreprises qui avaient des organismes de formation internes. Donc c'était une façon de les aider à former leurs programmeurs et leurs analystes à une approche logique. Alors, bon, on avait deux écueils en créant ceci. C'est d'une part de tomber dans une société de services, de vendre nos services, ou bien aussi d'être un club d'intellectuels. Bon, je pense qu'on a réussi à louvoyer entre ces deux obstacles. Et au départ, il faut le dire, on était plutôt des militants, et on pourrait même dire des sectes. Alors on a retrouvé dans les fondateurs, bon, j'en suis un, il y a Jean-Pierre Tronvoise qui nous a mis un mot, alors il ne peut pas venir, il nous souhaite un bon anniversaire, et il nous souhaite des vœux pour les 40 prochaines années. Les deux autres fondateurs, il y en a un qui est décédé, et le troisième, je n'ai pas pu le joindre. Qu'est-ce qu'on a fait au début? Bon, au début, on a fait des enquêtes, bon, pas comme celle dont on parlait tout à l'heure, c'était il y a 40 ans. On a fait des groupes de réflexion et on a essayé de mettre en forme les résultats de ces groupes de réflexion. Et il y en a un qui a eu un particulier succès, c'est le groupe de réflexion autour des méthodes de conception. Pour ceux qui sont insensés, se rappelleront que dans les années 80, est sortie une méthode de conception qui s'appelait l'ERIS. Donc nous, on avait déjà, avec Varnier, une approche qui s'appelait LCS. Et on dit, mais comment ça s'imbrique tout ça? Alors on essayait de les comparer, et ce qu'on a sorti, après des travaux, c'est une méthode pour comparer les méthodes. C'est une véritable méthodologie. Donc on a donné une grille qui permet de comparer les différentes approches méthodologiques pour concevoir des systèmes d'information. Donc à l'époque, bah, c'était l'ERIS, LCS, Varnier, et Axial, qui était d'origine IBM. Et ce qui a donné lieu à... Vous voyez deux ouvrages, un premier qui était une édition interne artisanale et qui a été repris dans un ouvrage qu'avait publié Paul Théron, qui a été rendu en librairie, qui s'appelait Précis de génie logiciel, mais qui reprenait complètement notre étude. Alors on a continué. Et on avait appelé ce premier ouvrage le méthodoscope. Alors ça nous a bien plu. Le moscope, après, on en a usé et abusé, en particulier toute une série d'adloscopes. Adloscope, ça veut dire atelier de génie logiciel, AGL. Et notamment, on a publié tous les ans un catalogue des outils d'aide à la conception. Donc on demandait aux éditeurs de répondre à un certain questionnaire qui était toujours le même, et on publiait les résultats et on sortait des tableaux comparatifs pour pas dire quel est le meilleur, ça n'a pas de sens, mais pour dire quelles étaient les particularités de tel ou tel outil. Bon, ça nous a fait connaître, ça nous a attribué une certaine notoriété, puisque c'était un produit qui intéressait beaucoup les entreprises et les éditeurs, dans la mesure, reportons-nous en 85,
Internet n'existait pas encore comme aujourd'hui, donc c'était une façon de se former qui était très appréciée des éditeurs et des entreprises. Bon, alors on a sorti, je vous le passe en vue, vous avez les noms des guides qu'on a sortis sur les différents thèmes de l'époque, c'était ceux des années 80. Entre-temps, vous l'avez vu, on a échangé de nom et de logo, on était passé à une logique informatique, ça ne parlait pas beaucoup aux gens. Donc c'était l'époque du génie logiciel. Donc on s'est appelé naturellement Association française de génie logiciel. Ça a duré un temps, et après, le génie logiciel est tombé en désuétude, donc on a pris l'Association pour la maîtrise des systèmes d'information, qui était plus dans le ton de la mode actuellement. Donc, les ouvrages, si vous voulez, vous les avez dans la salle d'exposition, vous pourrez les feuilleter, vous pourrez même en acquérir si ça vous intéresse, mais c'est des ouvrages qui ont maintenant une vingtaine d'années. Certains de ces ouvrages ont été publiés, en particulier aux éditions AFNOR, qui était l'application 19000 au développement logiciel, donc qui est assez ancien, qui doit dater l'article 98, quelque chose comme ça, je crois. Et le guide des certifications, donc qui donne les différentes certifications dans différents domaines. Bon, toujours présenter chaque référentiel suivant le domaine. Et il y a eu deux éditions successives, 2006 et 2009. Passons à nos activités traditionnelles. Une de nos activités, c'est la lettre trimestrielle qu'on maintient depuis une vingtaine d'années, donc sous des formats différents, puisque vous avez les différentes présentations. Jusqu'à la lettre 99, c'était imprimé et diffusé par voie postale. Bon, après, on s'est aperçu qu'on n'avait que deux caractères pour mettre le numéro de la lettre. Alors, on était obligé de format, changer de format, parce qu'on ne pouvait pas mettre trois chiffres. Donc, à partir du numéro 100, maintenant, la lettre n'est uniquement en électronique. Il n'y a plus de version papier, sauf, si vous voulez, l'imprimer, mais ce n'est plus fourni par l'association. Les photos sont un peu palottes. Une de nos activités, également, ce sont les rencontres qu'on appelle autour d'un verre, parce que pour ajouter un peu de convivialité, il y a toujours une boisson, quelques consommations pendant lesquelles on peut continuer à échanger, à discuter. Donc avec des cadres qui sont plus ou moins, celui-ci serait prestigieux, mais il est un peu loin de la région parisienne, et on en a d'autres qui ont suivi à la Maillot ou dans d'autres environnements, au centre de Paris, enfin, plus facile d'accès. Donc ça, ce sont des réunions qu'on organise tous les mois autour d'un thème avec un conférencier et questions-réponses ensuite et un pot ensuite pour continuer les discussions dans un cadre plus convivial. On en arrive très proche de notre époque actuelle, 2015. Donc c'est l'explosion du numérique et on a encore changé notre signature. On a changé le logo. Maintenant, c'est l'exploration, l'explorateur des espaces numériques. Pourquoi ? Bah, d'une part, vous voyez, on a fait évoluer la structure de notre association. Donc, on a abandonné la typologie actuelle où on avait des entreprises, des professionnels et des particuliers. Maintenant, on n'a plus que deux types de relations. D'une part, les adhérents premium, donc qui payent une cotisation, qui sont vraiment des membres actifs et qui participent à la vie de l'association, et des adhériens. Tout le monde peut devenir adhérent, il suffit de s'inscrire sur le site pour avoir accès à nos productions. Bon, on a, qui n'existait pas il y a 40 ans, une exploitation de variétés de réseaux sociaux, dématérialisation de la production, donc maintenant, comme on l'a dit, il n'y a plus de... Vous verrez encore quelques vestiges, on édite du papier maintenant, on n'en édite plus. Et on est aussi lancé dans l'exploitation du travail collectif.
Bon, on pourrait penser que le travail collectif, c'est soit un oxymore, soit une redondance. Bon, c'est à vous de voir si le travail de... collectif, collaboratif, mérite un peu ce... Alors, bien, on est au cœur du sujet, puisque nous fêtons tous les 5 ans nos anniversaires. Donc, les premiers ont été fêtés les 10 ans et les 20 ans, mais les photos étaient inexistantes ou floues. Donc, on a surtout le 25e, on s'était promené en bateau sur le ville de Melun, sur la Seine. Le 30e, que l'on a fait au musée du vin. Le 35e, au café du vin. Et pour la prochaine fois, on ajoutera les 40 ans à Gabourg. Alors, on a mis ici la liste des présidents de notre association. Bon, le premier, il était à Marseille, on n'a pas réussi à le joindre. Il était encore plus âgé que moi, donc je ne suis pas sûr qu'il soit encore de ce monde. François Tête a été contacté, il nous a mis un petit mot, bon, très, très simple, nous souhaite bon succès. Paul Thiron également. Gilbert Abouer nous a fait une lettre. On nous souhaite plein succès, il rappelle les valeurs permanentes d'aller, il regrette de ne pas être parmi nous. Maintenant, ensuite, Geneviève Coulot. Elle est là. Dans la salle ? Non ? Oui. Elle n'est pas là. Bon, voilà. Elle a changé de nom, elle s'appelle Geneviève Mercet, mais elle est dans notre association, mais elle est ici à Cabourg ce jour. Martine Auter, debout. Elle est là. Elle est là, voilà, c'est elle. Martine. Thomas Norris. Et maintenant, une ovation pour Véronique Pelletier, notre présidente. Bon, voilà, je pense que j'ai tenu mon petit quart d'heure. Ça n'appelle pas de questions, vous pourrez me les poser ultérieurement. Voilà un peu ce qu'on a fait au pas de course en 40 ans. Les panneaux sont dans le couloir. Les panneaux sont dans ce couloir, voilà.
Et nous avons aussi une librairie de Caen qui s'appelle Brouillon de Culture et qui met à disposition les ouvrages des conférenciers et d'autres en plus. Donc, si vous voulez des signatures, il va falloir les faire venir en même temps que vous allez acheter. Enfin, il faudra vous débrouiller. Hein. On n'a pas réussi à organiser les signatures. Il aurait fallu qu'on soit un petit peu plus organisé. Nos ouvrages à Delhi sont également à disposition pour les consulter. Vous pouvez vous faire plaisir en achetant un beau t-shirt comme souvenir. Voilà. Je pense que la première table ronde, Jean Audouze, venir. Jean-Yves Landy. Et Guy Valencien. Bonjour. Et Henri, tu es dit Henri. Oui, Henri, c'est dans le bas. Et Dominique Dauphin va animer cette table ronde. Michel Tulianin s'excuse de ne pouvoir venir, il a la grippe. Président de la Grande Halle de la Villette et de son parc, et aussi
parce que c'est pas le tout d'être un expert scientifique, mais aussi il faut faire partager sa passion, et il l'a fait avec brio. Et enfin, j'ai monsieur Jean-Hervé Lorenzi. Alors là, on est dans un autre domaine, c'est concret, c'est un économiste. Il est président et fondateur du Cercle des économistes depuis 1992. Puis en plus, il a une vision opérationnelle des choses, puisqu'il a été banquier, il est passé par Edmond de Rothschild, il a été vice-président du UBS France, et il a été membre du Conseil d'analyse économique, et je pense que ce titre, il a conseillé le ministère de l'Industrie, apparemment en 84-85, si je me trompe, et Matignon en 91-92. Et voilà. Donc, économie, science, médecine, je pense qu'on a déjà trois aspects de la société qui vont être intéressants à examiner avec eux. Donc, on va peut-être commencer, avant d'entrer dans les débats et la polémique, j'aimerais que chacun à votre tour, en quelques mots, vous nous disiez en quoi dans votre domaine d'activité, dans votre domaine d'expertise, vous avez été confronté à l'IA. Je vais juste, parce que chacun doit faire sa publicité, et je ne vais pas manquer à cet exercice, je rajoute que le livre de Guy est très remarquable, et donc je vais d'abord la publicité des autres, mais moi-même j'ai sorti sur un livre que j'aimerais évoquer, parce qu'il aura un très bon succès, mais qui est exactement sur le thème qu'on va évoquer tout au long de cette table ronde, et qui le titre s'appelle, de ce livre, c'est ce livre, L'avenir de notre liberté. Vous connaissez bien, je suis totalement économiste, pas tout à fait. Et il est disponible à la table. Il est disponible, et objectivement très remarquable, le livre. Non, je présente, mais il a un sous-titre qui avait essayé d'accrocher les lecteurs, qui ça n'a pas très bien marché, qui était « Faut-il démanteler Google ?» Donc vous voyez qu'on va se retrouver à se confronter assez rapidement à des chiffres très concrets. Et alors, sûr. L'intelligence artificielle, très franchement, en économie, ça n'est pas encore partie prenante du corpus de réflexion. Comme vous le savez, l'économie s'est beaucoup concentrée avec les années sur des formalisations. Ces formalisations sont souvent très élaborées, très éloignées de la réalité. Et en réalité, l'intelligence artificielle a vocation à essayer de se substituer à l'individu. Et dans les faits, la maturité de la discipline économique n'est pas telle qu'on puisse se substituer, comme on va voir le faire, je ne sais pas, dans le domaine de la chirurgie ou d'autres domaines où il y a véritablement un transfert. J'ajoute un dernier point, c'est que je ne suis pas convaincu, vous allez voir à quel point je suis réticent sur cette espèce d'abus aujourd'hui de description, d'introduction, d'intrusion d'une discipline qui pour le moment est encore très peu définissable. En effet, tout ça, on en parle. On a un vilain tous les jours à la télévision, on n'a pas un parmi qui ne change pas. L'intelligence artificielle, franchement, vous avez pris le déjeuner, je crois qu'il était très bon, et vous avez fait son intelligence artificielle. Enfin, on a l'impression qu'on est quand même dans un domaine un peu fantasmatique, et où les mots se substituent à une réalité, et c'est au fond cette notion-là, tout à l'heure, que je vais essayer de défendre. Et c'est un domaine en plus qui évolue très très rapidement. Bien, avant de dire de comment j'ai été confronté, comment de temps en temps je suis confronté à l'intelligence artificielle, je voudrais faire une remarque de chimiste, à savoir que l'intelligence tout court, ou la vie, nous sommes des gens qui sont dominés par la chimie du carbone. Et l'intelligence artificielle, elle est dominée par la chimie du silicium. Et je crois que ça paraît comme ça une remarque anodine, mais par exemple, dans notre cerveau, il faut savoir que les influx nerveux
sont dominés par des molécules, dopamine, mélatonine, etc. Et je pense que l'intelligence artificielle aura à un moment une barrière qu'il faudra franchir, qui sera, et à mon avis, elle sera difficile à franchir parce que le silicium ne se comporte. Alors, il a des qualités absolument exceptionnelles, à savoir qu'on peut réduire presque au niveau atomique les propriétés du global du silicium, mais la différence, c'est que la chimie du carbone a une spécificité. Et les gens qui pensent qu'on va faire le transhumanisme, etc., je pense qu'ils se posent la question de savoir comment on va arriver à transposer la chimie la chimie du carbone à la chimie du silicium. Ayant dit ça, je vais donner juste deux exemples. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'optique adaptative, c'est-à-dire que maintenant, tous les grands télescopes mondiaux sont dotés d'un système d'ordinateur, mais qui corrige en temps réel les aberrations les aberrations de sphéricité, et qui font que les télescopes ont des miroirs qui sont parfaitement sans aberration, et donc qui constituent un progrès phénoménal en matière d'observation. Par ailleurs, comme vous le savez, l'intelligence artificielle, sa qualité, c'est la rapidité et la possibilité effectivement de se doubler. Et effectivement, lorsque vous faites des simulations de numérique, par exemple, vous essayez de reproduire l'évolution de l'univers, les solutions des galaxies, vous êtes amené à utiliser des logiciels qui relèvent de l'intelligence artificielle. Alors ma deuxième confrontation, c'est plutôt d'observer des collègues à l'INRIA, en particulier Pierre-Yves Houdeillet, avec qui j'ai coopéré dans un livre qui est de la mosaïque, c'est-à-dire que l'intelligence, c'est toujours des patterns, c'est-à-dire des dispositions géométriques. On aura peut-être le temps d'en parler un petit peu. En tout cas, dans les laboratoires de l'INRI, de l'INRIA, il y a donc des gens qui inventent à qui ils apprennent des choses. Et donc, par exemple, on apprend au robot en leur donnant une mémoire, disons, qui n'est pas entière, c'est-à-dire ils apprennent eux-mêmes à se servir des mémoires dont ils disposent, et c'est ainsi que ces objets, hein, parce que ce sont des objets, ces robots, eh bien, sont capables de communiquer entre eux, d'inventer des langages, et donc c'est une deuxième façon dont j'ai été confronté avec l'intelligence artificielle. Je continuerai plus tard, mais voilà pour le moment. Alors, le chirurgien que je suis a participé activement au développement de la robotique chirurgicale avec une compagnie américaine dont les petits Français que nous étions, les urologues, ont sauvé la mise puisque les chirurgiens américains ne voulaient pas s'en occuper, pensant qu'ils n'ont plus de la chirurgie. Donc je suis très heureux d'avoir participé à cette aventure. Je suis de ceux qui pensent que l'intelligence artificielle, la robotique vont de plus en plus nous aider en médecine, à la fois pour établir le diagnostic, nous rattrapant certaines erreurs, pour proposer le traitement. Quand vous avez une tumeur du rein dont on connaît le type, adénocarcinome du rein, et qu'on analyse le génotype, eh bien, je suis incapable d'aller analyser 3 milliards de bases. Donc c'est la machine qui va le faire et qui me dira, voilà, pour ce moment-là, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, ensuite, la machine va de plus en plus agir sur dans des cas où le traitement est tout à fait programmé. Et comme on a de plus en plus de détections grâce à l'imagerie ou à la biologie avant même que les symptômes ne partent, on trouve des maladies de plus en plus petites. Des tumeurs qui font 15 mm, 10 mm et qui sont traitées par des robots intégraux avec des ingénieurs opérateurs qui sont formés pour agir avec ces robots. Donc là, je n'ai aucun doute, aucun état d'âme, et je pense que la recherche va se poursuivre, pas de principe de précaution. Pour les chercheurs, ce sont en revanche les dérivés de
ces recherches qui peuvent poser problème. Je suis de ceux qui considèrent que l'on doit pouvoir tout utiliser pour réparer l'homme, la femme ou l'enfant malade, et je m'oppose absolument à l'augmentation de nos capacités cognitives et physiques. C'est un délire total de transhumanisme que je ne supporte pas. Ils ne savent pas, ce sont des ingénieurs d'honneur, ils ne savent pas ce que c'est que la vie, ce qu'est la biologie, ce qu'est la variété, ce qu'est nos intelligences, car il n'y a pas qu'une intelligence. Et je suis convaincu que là, il y a une limite pour moi qui devrait être discutée au niveau mondial. C'est pour ça que j'ai proposé d'écrire Emmanuel Macron en disant qu'il serait temps d'organiser une COP de l'IA comme on a organisé la COP climatique pour réunir les cultures, car je m'aperçois que 90% des Chinois, quand on les interview, sont pour l'augmentation. 50% des Américains commencent à y être, 25% des Européens. Donc les plaques tectoniques civilisationnelles s'écartent. Nous ne pensons pas de la même façon le globe à Pékin, à San Francisco et à Paris. Et c'est un vrai problème, il va falloir se réunir pour en discuter. Bien, alors on a un peu une vision de l'IA, mais on va procéder en trois temps. On va aborder quelques petites questions sur l'IA pour cerner un peu le point de vue de nos invités sur l'impact de l'IA sur la société. Alors, sans doute dans un premier temps, on va essayer d'être, on va dire, plutôt positif, c'est-à-dire voir les grandes tendances et ce qu'ils présentent en termes d'avancée. Et puis après, dans un deuxième temps, on va faire le point quand même sur les risques, sur les éventuelles menaces ou les points d'attention sur lesquels il faut absolument garder les yeux rivés et avoir une attention soutenue, parce que, comme disait M. Donatio, qui est le directeur de recherche chez Orange, l'IA, c'est comme le feu. Le feu, c'est dangereux, ça brûle, il ne faut pas se leurrer. Et d'un autre côté, ça permet effectivement de faire le fond du méthane, de faire des barbecues, etc. Donc, il ne faut pas sous-estimer les limites d'une nouvelle technologie. Donc, dans un deuxième temps, on verra peut-être les aspects un peu plus, on va dire, négatifs, mais je ne voudrais pas qu'on reste sur un aspect négatif. Et puis, on fera un petit bilan après, pour avoir le point de vue, on va dire, prospectif. Et la dernière partie, je pense qu'on va consacrer au moins, si on a au moins un quart d'heure, 20 minutes, à, si vous êtes d'accord, à répondre aux questions de notre assemblée. Je pense qu'il aurait y avoir une multitude de questions, ça serait pas mal que vous répondiez à nos questions. Alors donc, je vais commencer par les aspects plutôt positifs. Alors ma question va être très simple, c'est dans ce que vous voyez, vous, de votre lunette, quels sont les grands axes de progrès qu'on peut attendre de l'IA sur les années à venir, sur les décennies à venir? On commence par la physique. Alors, j'ai commencé à en aborder. Évidemment, je ne parlerai pas de tout ce qui est biologique et médical, dans la mesure où mon voisin est bien plus, enfin, et la compétence sur ce sujet. J'en ai évoqué un, à savoir tous l'intelligence artificielle dans l'exploration tout court, l'exploration du cosmos, enfin, du monde, de l'univers bien entendu, mais l'exploration aussi de l'infiniment petit. Je dirais que l'intelligence artificielle, c'est véritablement un outil fabuleux pour la recherche dans les sujets difficiles, c'est-à-dire les sujets où on est confronté à beaucoup de données, où on voit beaucoup d'observations, où effectivement on doit optimiser et savoir. L'intelligence artificielle a pour elle justement d'avoir des mémoires quasi tout à fait importantes. Deuxièmement, d'avoir une capacité à réagir extrêmement rapide. Et donc, de ce point de vue-là, pour la recherche, évidemment, l'intelligence artificielle est un outil fabuleux. Alors, bon, pour la société, on voit bien quand même que l'intelligence artificielle a été... on a tous téléphones portables, les réseaux, d'autres que moi vont en parler dans la suite de cet après-midi, mais c'est véritable. Je pense que les applications
les applications sont absolument presque innombrables. Si on se limite au domaine de la recherche, disons, sur la nature, le bord biologie, et puis si on se limite à tous les réseaux, bien évidemment. Par exemple, juste un mot, c'est pourquoi Pierre-Yves Ouzeyer développe ces robots. Curieusement, c'est pour voir comment l'esprit humain apprend. C'est-à-dire, pour lui, c'est un modèle. Il s'en sert comme de modèle pour vérifier comment l'apprentissage peut se faire chez les enfants, chez même les bébés, les nourrissons, les jeunes enfants. Et donc, l'intelligence artificielle peut être de donner de l'aide à découvrir les caractéristiques de l'intelligence tout court. Monsieur Douze, est-ce que, par exemple, dans l'exploration spatiale, est-ce que vous pensez que ça va nous faire découvrir des nouvelles planètes colonisables, ça va nous aider à nous exporter? Ah ben si vous voulez, le fait de voir pour justement explorer le très lointain et puis observer, par exemple, sans intelligence artificielle, on ne découvrirait pas ce qu'on appelle les nouvelles terres. C'est-à-dire que maintenant, on est capable, on découvre jour après jour de nouvelles planètes exoplanètes qui ont les dimensions de la taille de la Terre et qui potentiellement sont des endroits, ça ne veut pas dire qu'il y en aura beaucoup qui s'avéreront capables que la vie se développe sur elle, mais c'est une façon, je veux dire, d'appréhender ce problème. Donc oui, je crois que honnêtement aujourd'hui, les astrophysiciens actuellement ne peuvent plus se passer l'intelligence artificielle. J'ai appris qu'il y avait un astéroïde qui avait beaucoup de monde, c'est ça? Oui, ça c'est vrai, oui. Comme beaucoup, hein. J'ai le 110. Il n'y a pas beaucoup de monde, là. Le 130 820, je ne sais plus quoi. La question que vous allez me poser, c'est qui a nommé l'astéroïde? C'est un ami astronome amateur. Voilà. Rassurez-moi, il n'est pas prévu qu'il passe par ici. Non. Il n'est pas dangereux du tout. Guy Lancien, vous voyez des grands axes de progrès dans votre... Oui, en médecine, bien évidemment. Je l'ai déjà dit en introduction, le fait que l'on puisse avoir des bases de données considérables qui soient moulinées par des machines qui nous permettent de nous aider à faire des diagnostics auxquels, de rareté auxquels on ne pense pas, est un plus énorme. Je n'ai aucun état d'âme là-dessus. Deuxièmement, sur l'effection des traitements, le robot que j'utilise a une laxité que je n'ai pas. Moi, je ne peux faire que 180 degrés. Mon radius et mon amplitude se chevauchent quand je tourne ma main. Alors que le bras télé manipulé fait 360 degrés, 1000 fois dans un sens, 1000 fois dans l'autre, sans problème. La vision 3D que j'ai avec mes yeux, en voyant la prostate qui est grosse comme une noix, énorme comme un melon, me permettre de disséquer au plus près les structures avoisinantes, anatomiques avoisinantes. Donc tout ça sont des aides incontestables. En neurochirurgie, on voit bien que le petit robot Rosa permet d'aller au dixième de millimètre juste sur la zone qu'il faut toucher à l'intérieur du cerveau pour y placer les électrodes. Donc tout ça est tout à fait positif. Je pense que véritablement là-dessus, je n'ai aucun état d'âme. Je pense même que demain, et très rapidement, les personnes qui ont des symptômes accéderont à une application qui leur posera des questions et ils pourront remplir d'abord tout ce qu'ils sont, c'est-à-dire mettre des milliers d'items de ce qu'ils sont, de leur personnalité, jusqu'à dire j'aime les brocolis, je déteste les petits pois, j'adore Bach, j'exècre Beethoven, je fais 1m85, je suis blond, je suis brun, enfin bref, on peut tout rajouter, se définir, à partir de quoi, en posant des questions, la machine pourra déjà faire le diagnostic. Et lorsque le verra le médecin, il aura déjà préparé complètement, je dirais, sa maladie et que la discussion sera beaucoup plus forte. Alors vous me direz, faut-il encore un médecin? On en reparlera tout à l'heure. Je pense que oui, parce que mon rôle n'est plus dans le savoir. Le savoir, maintenant, il est dans la boîte, à côté de moi. Et ce que je ne veux pas, c'est qu'on me mette à l'intérieur du crâne. Je ne veux pas être pucé un jour, sachant que je serai l'objet de ceux qui vont pucer. Et quand je vois Elon Musk, qui il y a 2 ans, signait Bill Gates, une lettre flambante
fut bilan sur l'IA en disant stop, il va falloir arrêter, que maintenant il a créé une Neuralink pour aller pucer les gens, je dis stop. Et je ne veux pas pour deux raisons. Un, parce que lui pourrait me contrôler, que deuxièmement, si ce n'est pas lui, ce seront les hackers. Donc je veux garder ma personnalité entière, ma liberté ma liberté d'erreur, ma liberté de me tromper. C'est ça l'homme. Et surtout ma liberté de pouvoir innover au dernier moment, à la dernière seconde, de pouvoir reprendre la main. Ce que la machine aujourd'hui ne sait pas faire, je ne suis pas sûr qu'elle puisse le faire un jour. Donc ça, c'est un point très important. Et il faut aussi rajouter à l'intelligence artificielle toute la génomique qui est travaillée, puisque les deux sont liés. Et à partir de la combinaison de l'intelligence artificielle et de la génomique, on peut, grâce à des systèmes comme les tissus moléculaires que vous connaissez bien, le fameux CRISPR-Cas9 de notre collègue Charpentier, modifier, enfin réparer, là encore, des gènes défectueux, tenter de les réparer. Il y aura des bugs, c'est certain, mais on va y arriver peu à peu. Donc là, oui, tout à fait, ouverture complète à ces recherches de façon à pouvoir réparer celles et ceux qui sont atteints de maladies génétiques. Si je pousse plus loin, ma relation avec les malades va changer, tout du moins elle va redevenir ce qu'elle aurait toujours resté et qui était un peu édulcoré sous le poids de la technologie, c'est-à-dire la relation humaine. C'est vraiment ce qui est l'essence même du médecin. Et l'IA, donc, va m'aider à me débarrasser de toutes les scories qui encombrent une consultation pour aller à l'essentiel. Car je ne vois pas demain un malade accepter qu'une machine décide pour lui lorsque le diagnostic est compliqué. Par exemple, si je prends mon assistant demain qui aura la voix de Scarlett Johansson comme dans Air, qui a ses 10 000 amants, auquel elle parle en même temps, vous voyez ce que ça donnera, c'est un « Bonjour, vous avez un cancer de la prostate stade 2, grade 3, tapez 1 pour le compte rendu, 2 pour choisir le traitement, 3 pour avoir un conseiller, et bien vous allez taper 3. » C'est évident. Parce que la personne laissée dans cette annonce va vouloir avoir quelqu'un d'expérience. Je vais quitter le savoir pour retrouver l'expérience, et c'est ça qu'attendra le malade d'expérience par rapport à ce qu'il est, à ce qu'elle est dans sa vie personnelle, familiale, socio-professionnelle, culturelle et religieuse. Et ça, c'est de l'or. Alors, on peut bien évidemment l'intégrer en partie dans l'IA, tout à fait, mais la présence humaine est quelque chose d'énorme lorsqu'on se retrouve atteint. Le pied à terre, c'est pas une machine qui va vous essorer au lard, c'est sûr. Et vous, monsieur Lorenzo ? Moi, je commence à être exaspéré. Non pas par les propos de mes amis, ce ne sont pas des gamins, ce sont des amis très proches, mais je trouve qu'on est parti de manière très curieuse de tout ce qu'ils disaient. Fascinant, passionnant, original, et à quel point j'ai une amitié solide, mais je n'arrive pas d'abord à savoir de quoi on parle. Alors, mon ami Jean a commencé à parler des smartphones. Et le smartphone, évidemment, tout le monde est favorable à l'idée que le numérique et que les réseaux ont permis finalement un accès des uns des autres à plus de capacités. Ça n'a aucun rapport avec l'intelligence artificielle, me semble-t-il. Donc, non. Alors, pour prendre une définition, si on va continuer à délirer sur la prostate, sur tout ça, moi j'appelle l'intelligence artificielle, je suggère ça à mes deux amis et à vous, monsieur l'animateur, je suggère que l'on dise que dans le progrès scientifique qui est multifacette, heureusement, il y a un domaine qui est un domaine dans lequel, au fond, il y a des algorithmes qui permettent de simuler, j'emploie bien les mots, de simuler l'intelligence humaine. Et la simulation, c'est notamment l'apprentissage, c'est-à-dire l'idée finalement, qui est le fantasme absolu, que la machine est capable d'améliorer sa propre connaissance et que, finalement, à un moment, elle va dépasser l'individu. Je ne sais pas si vous avez lu Asimov ou les livres dont j'en parle, mais vous avez l'impression que c'est les révoltes, les robots, enfin, tout un tas de trucs qui sont surréalistes. Et si on se limite à ce point-là, on a un exemple, je ne sais pas de ce qui a été dit, c'est l'exemple qu'a pris Guy, quand il parle de la machine dite, c'est Vinci, la machine de Jean, il explique qu'il y a plus de talent et de possibilités dans l'organe mécanique qui est en fait dirigé par, toujours par Guy, parce que c'est pas Guy qui est l'intelligence, elle est simplement, il a donné un degré de liberté à un bras qui va couper, j'espère qu'il se fera bien,
Et dans ce cas-là, l'intelligence de Guy est en réalité à utiliser un élément complémentaire, mais permettez-moi de dire que dans ce cadre-là, l'intelligence artificielle est une définition un tout petit peu rigoureuse, mes camarades. Un tout petit peu rigoureuse, ça revient à dire que Guy arrive et il dit à haute et intelligible voix, monsieur X ou madame Y va être opéré, je souhaite que, il s'adresse à la machine, qu'elle coupe ce qu'il faut couper, qu'elle permette ce qu'il faut remettre. À ce moment-là, il y a bien, dans les faits, un transfert d'externalisation, donc une externalisation de la compétence, d'intelligence, etc. Ce qui n'est pas le cas, c'est pour ça que j'essaie d'être un tout petit peu précis dans la définition que nous utilisons de l'intelligence artificielle, il n'y a pas au jour d'aujourd'hui de transfert, c'est bien l'intelligence de Guy qui, et je m'en réjouis en tant que patient, j'espère que ce n'est pas patient, mais futur, en tout cas observateur, c'est bien toujours Guy qui dirige la machine, qui dispose de plus de degrés que ceci. Donc, faisons attention, partons d'une définition rigoureuse. J'en ai marre d'avoir Vialli tous les matins qui m'explique que le Tour de France c'est l'IA, le festival de Cannes c'est l'IA, tout est l'IA. Alors, forcément, on dit, attends, je vais te laisser la parole parce qu'il faut que ce débat soit un peu stimulant et que vous êtes parti avec un critique un peu rasoir, ce qui est bien, ce qui est mal et qu'est-ce qu'on fait. Et partons d'une vision. D'abord, quelle est notre définition de l'intelligence artificielle? Vous savez, je précise. Je précise. Vous nous avez invités, on ne peut prendre la part. Vous ne pouvez pas prendre part de moi. Je précise juste que nous assistons, et l'économiste regarde ça, comme d'ailleurs ceci s'est déjà passé dans l'histoire de l'humanité, avec intérêt, de progrès extrêmement importants en génétique, tu l'as évoqué tout à l'heure, Guy, en astrophysique. Jean l'a évoqué, c'est que la discussion sur le Big Bang n'est pas une discussion d'intelligence artificielle, c'est une discussion de scientifique aidée par une capacité de calcul que nous n'avions pas précédemment. Mais capacité de calcul ne signifie pas que tu t'adresses à une machine, Jean Lewis, que je connais et que j'apprécie beaucoup, depuis une trentaine d'années, dit « je veux savoir si le Big Bang est juste » et il y a le droit de répondre « oui Jean, le Big Bang est juste » ou « le Big Bang ne l'est pas ». Il faut qu'on limite la discussion à ce qui est spécifique, non pas, j'allais dire, une vision générale du numérique et des big data et tout ça, et tout ce qui permet de progresser et qui est bien, à ce qui nous pose problème, je suis déjà sur une bonne question, qui est que l'apprentissage de la machine peut progressivement, et Guy l'a évoqué tout à l'heure, quand il a demandé qu'on lui colle une puce dans la tête, qui revient à dire qu'à un moment déterminé, la liberté de l'individu risque d'être en réalité atrophiée par l'intervention de machines qui auraient finalement une sorte de supériorité, au moins d'égalité, dans l'intelligence, donc la capacité de compréhension et de décision de l'individu. Voilà. Donc, essayons d'avoir une discussion qui soit précise. Voilà. Maintenant, je laisse la parole à mes camarades et je les ai un peu stimulés parce que. Alors, juste avant que vous répondiez à M. Lorenzi, je voudrais juste rappeler qu'à ce stade, on distingue les l'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire qui fait des choses, on va dire, bêtes, et l'intelligence artificielle forte. Et qu'on en est tout à fait au début de l'intelligence artificielle forte. Et donc là, je rejoins M. Lorenzi. Il n'y a pas tellement de cas d'intelligence artificielle forte. Cependant, il faut savoir qu'on est à un tournant. Et que le tournant, il est aujourd'hui. C'est-à-dire que pour la première fois, un AlphaGo a réussi à battre un humain, mais surtout à montrer qu'il pouvait avoir une stratégie que le champion de Go n'avait pas détectée. En tout cas, il l'a totalement désarçonné. Juste un mot. Je me méfie toujours de cette idée, on est à un tournant, c'est toujours un moment. Souvenez-vous, quand vous étiez en classe, dans le secondaire, vous étiez arrivé en quatrième, vous disiez « Ah, c'est l'année où le tournant majeur ». Chaque année, on raconte la même histoire. Méfions-nous de ça. Moi, je suis convaincu que c'est un problème majeur, mais traitons-le de manière
j'allais dire, qui n'est pas trop générale, trop ambiguë, trop intégratrice. On parle de tout et de rien, on ne sait plus de quoi on parle. L'intelligence artificielle, si mes camarades acceptent, et vous aussi, ce sont des algorithmes qui ont vocation à simuler, pas à stimuler, à simuler l'intelligence, les caractéristiques de l'intelligence, et notamment ses capacités d'apprentissage que nous avons tous, puisque nous avons tous été en classe et nous avons tous appris à lire, à écrire, à compter, enfin j'espère, aussi, sinon on ne se réunira pas sur l'intelligence artificielle. Alors, moi, apparemment, mon excellent camarade et ami, Jean-Hervé, a omis de. J'ai indiqué qu'à Bordeaux, il y avait des machines qui, un, qui apprenaient, deux, qui communiquaient entre elles par. Elles ont leur langage que nous comprenons, que l'opérateur ne comprend pas, et elles ont une autonomie les unes par rapport aux autres. Ça, c'est le premier point. Donc ça existe. C'est-à-dire, on peut aller, il suffit de prendre le TGV d'abord d'aller à Paris, puis. À Bordeaux, c'est vite fait, vous allez dans son laboratoire et vous voyez ces machines. Deuxièmement, alors effectivement, il y a, on a cité le jeu de l'eau, moi je suis encore plus bluffé, c'est le cas de le dire, par la machine qui a gagné au poker. Parce que le poker, il a été capable de bluffer. Et ça, bluffer, c'est quand même quelque chose qui n'est pas du tout évident. Hein. Et puis, vous le savez, il y a de temps en temps des concours d'écriture, comme un peu, je pense que Jean Pelletier a monté un concours de nouvelles. Bon, je ne sais pas, peut-être que dans les 42 copies qui ont été rendues, il y a peut-être 10 qui ont été faites par des ordinateurs. Jean, on n'a pas vérifié s'il y avait une IA qui avait répondu. Mais ça s'est fait. Alors, il y a eu effectivement des concours d'écriture de même. Et c'est ce que j'appelle le critère de Turing, hein, qui est célébré ici, à savoir qu'une machine passe le critère de Turing si un humain est incapable de discerner sa nature de machine. Et effectivement, dans beaucoup de domaines, eh bien, il y a des machines qui passent parfaitement ce critère. Alors c'est là où effectivement. J'en arrive un peu, même si, effectivement, on peut l'éteindre. Moi, en tout cas, c'est peut-être inquiétant, parce que si les machines s'autonomisent par rapport à nous, c'est-à-dire si on perd le contrôle des petites machines, elles ont un pouvoir de duplication et de s'éparpiller dans des zones très importantes, effectivement, c'est un. Je pense qu'il faut, à mon avis, être vigilant. Je ne suis pas vigilant vis-à-vis de ces. Il y aura peut-être un jour où les progrès, il faudra les manier avec précaution. Est-ce que j'ai bien parlé de l'intelligence artificielle? Tu en progrès par rapport à ta première intervention. Alors, non, mais je suis d'accord avec toi, Jean-Hervé, parce que c'est pas du tout de la simulation d'intelligence artificielle, c'est de la proposition. Ça n'a rien à voir, et c'est là où c'est beaucoup plus à la fois passionnant et inquiétant en même temps. C'est de la proposition en médecine, par exemple. On sait que vous avez simplement sur les clics, comment on arrive à détecter les clics avant même que les cartes officielles du ministère nous arrivent. On sait détecter les tendances au suicide sur Facebook, avec ceux qui commencent à moins liker, qui ont des images plus noires, qui ont avec des symboles, des pistolets, des choses comme ça. On arrive à presque faire le diagnostic du suicide. L'Alzheimer, on permet de détecter grâce à la voix au téléphone avec des algorithmes qui nous permettent, nous qui n'entendons pas, que la personne a déjà des petits cheveux d'enfant. Donc on va dans la décision, hein, on est au-delà de la simulation. Ce qui m'inquiète, moi, on y reviendra, c'est deux choses. Premièrement, je n'aime pas cette bataille, et c'est bon, Alexandre qui l'a lancé, c'est son bouquin sur la guerre des intelligences, c'est de dire du QI. Le QI, c'est un pourcentage infime de ce que sont nos intelligences. Si on regarde un cerveau, nous fonctionnons comme une machine pour l'immense majorité, 99% de notre activité. Quand je vous parle, je ne suis pas en train de vous dire que je tiens le micro en mettant mon index là comme ça,
le méduse, je le pousse, et je ne me dis pas que je mets à telle distance du micro, je le fais automatiquement. Je n'y pense pas. Mon niveau de conscience est de 1% par rapport à tout ce que je fais. Donc on a intérêt à être un peu humble. Et notre conscience est là pour dire non. Notre seule valeur ajoutée par rapport à la machine, demain, c'est le dissident chinois qui est face au char et de nous, face au char de la place Tiananmen, c'est Antigone qui s'oppose à l'enterrement, qui veut enterrer son frère face à Créon qui veut le laisser sur le champ, le considérant comme un traître. Ça, ce sont des valeurs humaines. Et là, on est hors de l'intelligence, telle qu'on l'a décrit, l'intelligence calculante. On est dans l'intelligence émotionnelle, on est dans le rapport des êtres, et ça n'a rien à voir. Moi, ce qui m'intéresse dans le monde qui va s'ouvrir, ce n'est pas d'être toujours plus quantitatif. De puissance physique ou cognitive, c'est d'être dans la densité d'être. On ne parle jamais d'amour dans ces domaines de l'intelligence artificielle. Et Mark Zuckerberg qui nous dit que dans un siècle on aura guéri toutes les maladies avec ces machines, je me marre. C'est bien la preuve, c'est un ingénieur qui ne sait pas ce que c'est que le monde biologique. Il y a quand même des milliards de petites bêtes qui nous roulent dedans et qui pourraient nous explorer la figure demain si tout d'un coup elles se rebellent. Nous sommes en permanence en vie, en résistance et en cohabitation avec des êtres qui nous dominent finalement. Et eux ont des centaines de millions d'années. Nous les hommes, on est des petits cons à côté. Vous savez, rien, c'est que dalle. Mais c'est ça qu'il faut voir. Donc, mon inquiétude est la suivante. C'est je suis véritablement opposé à ce qu'on manipule l'intelligence même calculante, comme le Grégoire Alexandre, en disant faut revoir tout ça. Pourquoi ? Parce que si on se met à le faire, de toute façon, les autres le font aussi, on ne fera qu'élever les niveaux. Quand les Chinois sont en train de séquencer des centaines de gamins à QI 130 en utilisant les petits ciseaux dont j'ai parlé, pour voir s'ils ne pouvaient pas faire en manipulation génétique des gamins à QI 160, je lui dis on est complètement fou. Parce que si on augmente tout le monde, on aura encore une différence. À ce moment-là, il y aura ceux qui seront à 200 ou 250. Donc on ne gagne rien. On est dans le quantitatif. On n'est pas dans le qualitatif de l'être. Et c'est ça qui me gêne. Et je pense que de toute façon, on ne fera pas l'impasse. On a vu ça avec l'énergie atomique, on s'est tapé quand même deux bombes, puis on n'a plus jamais fait après. Alors que moi, j'utilise tous les jours pour des scintigraphies osseuses, pour des radiothérapies, cette énergie fantastique. On ira jusqu'à créer une monstre. On le fera, parce qu'il y aura des tentations, il y aura des chercheurs qui le font. Regardez ce qui se passe, je m'appelle sur la combinaison IA génomique avec des manipulations embryonnaires. On va créer des trucs complètement zingons, on va dire, ben, on a fait ça. Et on s'interdira ensuite d'aller plus loin. C'est une question qui est vraiment très intéressante. Vous avez vu qu'elle a glissé très rapidement sur les risques. Je prends ce que vient de dire Guy et ce que vient de dire Jean aussi pour progresser dans la définition de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on ne peut jamais traiter d'un sujet si on n'a pas une définition de cause du problème. Ce que tu as dit, tu as tout à fait raison. Est-ce qu'on peut être d'accord sur l'idée que ce sont des algorithmes, on est d'accord, ce sont des algorithmes, qui ont capacité de reprendre l'ensemble des traits de l'intelligence humaine, y compris la capacité de décision. Donc là, je rejoins ce que tu as dit, et je crois que Jean serait d'accord. Donc, si on part de ça, on voit que le progrès scientifique, au fond, on a une première conclusion, c'est que le progrès tel que Jean l'a décrit pour Bordeaux, quand même stupéfiant. J'ai pas bien compris la question de langage qu'ils se parlent entre eux. Mais si on parlait en clair, je ne savais pas, mais c'était bête des conneries en fait. Je ne comprenais pas. Non, mais je ne sais pas. Je suis d'accord. Je n'ai pas en doute un instant ce que peut dire le professeur Jean Douze, qui pour moi est la lumière de la nuit. Mais je dis juste que je suis surpris. Je trouve que c'est exceptionnel. Donc c'est très dangereux si c'est le cas, c'est bon. Parce que là on parle d'autonomie. Donc on est dans une définition assez large qui revient bien à dire que c'est la partie, j'allais dire, de l'intelligence humaine qui est reproduite et éventuellement développée. Alors là-dessus, nous les économistes, parce qu'on attaque sur les risques, on a toujours trois questions. On a trois questions qui sont, vous savez, les économistes. Vous savez, la meilleure définition des économistes. Pourquoi Dieu a-t-il créé les économistes? Tout simplement parce que les météorologues se sont fait pour ça. Ce qui revient à dire que
que ça ne veut pas dire qu'on est totalement sot, ça veut dire qu'on est quand même dans un domaine, par rapport à mes deux camarades, on est dans un domaine qui est très formalisé, très, mais quand même très, très, très discutable. Moyennant quoi, on se demande toujours, est-ce que nous sommes dans une période particulière de révolution scientifique, transformation, métamorphose? C'est une question qui est très intéressante parce que toutes les générations ont le sentiment d'être dans une période de métamorphose, de transformation et de toutes, sans exception, quand on lit les... Donc, il faut toujours se méfier de l'idée qu'on a et parfois ça touche plutôt les jeunes générations avant de partir, ils se disent, on leur lègue un monde qui va rompre avec le passé. Première question. Et alors, les économistes ont inventé l'idée des révolutions industrielles. Révolution industrielle, c'est les Schumpeter, vous savez, les Schumpeter, tout le monde l'utilise, un tir d'arigot. Et c'est cette idée qu'à un moment déterminé, il y a une vraie rupture de modèle de croissance, et c'est ce que mes deux camarades viennent d'évoquer dans des ordonnances scientifiques, il y aurait une rupture de croissance. Première question, est-ce qu'on est confronté à ça? La réponse, aujourd'hui, est non. Il n'y a pas de rupture de croissance majeure, il y a un ralentissement, il y a pas mal d'automation, mais l'automation, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de robots, encore que les robots, c'est l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de. On fabrique des grippins de manière plus efficace qu'on faisait il y a 10 ans, mais ce n'est pas une rupture. Et une rupture scientifique que vous avez évoquée l'un et l'autre, qui est absolument hallucinante, et qui touche bien des domaines, beaucoup plus que le numérique ou que le. C'est très fort des données. La deuxième question, c'est au fond, on va regarder juste deux. Si ça se produit, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, les économistes se déchaînent. Se déchaînent parfois de manière minoritaire et raisonnable, et les deux tiers du temps dans un tissu naturel. Alors, excusez-moi, je suis tout à fait d'accord sur la question que se posait l'économiste, mais je voudrais juste rappeler une définition que m'avait donnée mon prof d'économie et qui résume votre métier, c'est cultiver des prévisions dans le jardin des hypothèses. J'espère que vous avez fait d'autres études que ça. je termine juste là-dessus. Alors, quel est le fantasme des économistes aujourd'hui? Sur le futur. Entraîner sur le futur. Voilà. Entraîner, là on passe dans le futur. Et on est un peu Asimov, on a des robots partout, etc. Et alors, l'idée, il y a eu un papier fait par deux économistes d'Oxford qui s'appellent respectivement Frey et Osborne. L'un et l'autre étaient considérés jusque-là comme des individus normaux, et ils sortent un chiffre absolument hallucinant de bêtises, et ils disent, on est en moyenne, 4 ans, et ils sortent le chiffre. 47% des métiers dans le monde sont supprimés. 47%. Ok, non. Attendez. C'est des prévisions. Non, enfin des prévisions raisonnables, intelligentes. On est obligé de supprimer. Et donc, heureusement, des centaines d'économistes leur disent c'est pas sérieux, c'est dans quel sens. Et ce qui apparaît aujourd'hui, je mets ça sur la table, hein, pour mes camarades, c'est que 60% les métiers verront leur contenu assez significativement modifié. Ça ne veut pas dire supprimer, ça veut dire modifier dans notre structure, ce qu'on demandera à des gens de faire des choses un peu différentes, etc. Donc il y en a un pourcentage important, et ce qu'on appelle les emplois supprimés, je rappelle que pendant la campagne présidentielle, un des candidats, BH, vous voyez de qui je peux parler, BH, avait inventé une idée qui est sortie de sa tête, qu'il n'y aurait plus de travail. Moi je veux bien servir à dire, parce que du courage pour sortir de ce que qu'est-ce qu'il en sait? Bon, le mec va lui faire licence sur ses cours, c'est très bien vraiment. Et donc, les chiffres sur lesquels nous sommes à peu près tous d'accord, c'est que 10% des emplois pourraient être supprimés et un grand pourcentage de la moitié se verrait leur modifier. Mais comme leur contenu modifie, mais comme le fantasme est très compliqué, très fort, vous voyez bien que ça a déjà des impacts majeurs dans la politique, puisqu'au fond, quand on dit le mal-être des classes moyennes et qui, au fond, se recroqueville un peu sur eux, c'est le cas notamment aux États-Unis,
C'est tout simplement l'idée que on constate aujourd'hui sur le marché du travail, partout dans le monde, qu'il y a une espèce de, j'allais dire, de séparation absolue à deux et aux deux bouts. Il y a des gens dans des travaux très qualifiés, minoritaires, et énormément d'emplois non qualifiés, et que ça, c'est la terreur des classes moyennes qui se disent « on va se retrouver dans ce monde-là ». Vous prenez un exemple, Amazon, que vous avez tous, Amazon, quand ils ont dit c'est formidable, ils créent des emplois, on donne je sais quoi, ils créent 150 emplois de comptable, de fabricant de logiciels, etc. Et le reste, c'est les gens qui font le paquet. Ce qui est très, très bien, ça. Simplement, c'est la réalité de la perception qu'on peut avoir du monde, c'est-à-dire l'idée que ce monde très, j'allais dire, c'est pas l'intelligence artificielle, mais très transformé par, au fond, un projet technique, a une première caractéristique que les économistes malheureusement constatent, c'est que ça ne donne absolument pas de productivité, ça c'est quand même très important, à piger. C'est ce qu'on appelle la stagnation séculaire, le débat qui anime les économistes, et d'un autre côté, qu'il y a quand même une espèce de tension des deux côtés du marché du travail, d'un côté des gens comme nous tous, qui sont à l'abri, j'allais dire, de déqualification, puis une déqualification très forte du coup. Voilà. Donc c'est un lycée, et je termine là-dessus, je vois que je vous énerve, mais si je le sens, vous êtes... Oui, il y aurait une machine à votre place, on m'aurait pincé. Je laisse la parole à mes camarades, parce que je suis pas là, mais nous aussi. Je voulais juste... qu'on restitue le débat. On est d'accord quand même que l'intelligence artificielle va avoir un impact sur l'emploi et sur la restructuration des emplois dans la société de demain. Vous êtes d'accord avec ça? Mais j'en sais rien. J'en sais rien. Mais personne n'en sait rien. Tout ça, c'est des... Il n'y a que M. Vianney, c'est non, qui nous décrit le monde tel qu'il sera. Mais moi, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que raconte? Quels sont les bénéfices pour les économistes? Ils sont exceptionnels. Non, ils sont impactés. Ils sont sérieux. S'il y a un des trois qui fait plus, parce que le moins incompétent, c'est quand même moi. Je fais que ça, plusieurs par jour. La réalité de ce que nous pouvons imaginer, les deux débats tels qu'ils sont évoqués toujours, vous l'avez dans vos journaux tous les jours. Vous avez d'un côté ceux qui disent l'emploi va disparaître. C'était la version BH. BH, vous avez vu, il n'a pas été suivi par le même nombre, parce que je crois que j'ai eu 6% de vote, mais il ne tenait rien, il a dit que les emplois disparaissent, pourquoi ils disparaîtraient. Qui sait ce qui va se passer dans 20 ans, je suis derrière. Et il y a la thèse de déversement de Fred Solly, que j'ai vu beaucoup de Fred Solly, mais ce qui est un peu quand même très naïf, c'est la chose suivante, c'est si je mets du progrès technique, vous voyez, on n'est pas que fait sur l'intelligence artificielle, je produis un objet, mettons cette bouteille, je la produis de manière moins chère. Donc, nous tous qui avons un salaire déterminé, le prix de l'objet ayant baissé, notre pouvoir d'achat augmente. Qu'est-ce qui se passe si notre pouvoir d'achat augmente? Comme on a un pourcentage de notre revenu qui est dédié à la consommation qui reste le même, je vais acheter d'autres choses. Et en achetant d'autres choses, je vais relancer notre secteur d'activité. Et une petite hypothèse, il faut que le taux d'emploi par produit dans la nouvelle branche, celle qui se développe, doit être supérieur à celle ancienne, sinon l'emploi diminue. C'est l'arithmétique simple, il n'y a pas besoin d'être génie. Mais si vous regardez bien ça, vous avez deux hypothèses, BH d'un côté, il n'y a plus d'emploi, de l'autre côté, vision un peu naïve que vous entendez en permanence, c'est il y aura autant de création d'emplois qu'il en disparaît, personne ne sait rien du tout, et tout ça dans la bonne humeur. Mais je rappelle, moi je suis donc un bon économiste, très travaillé avec très sérieux, depuis 40 ans je fais ça. Je prévois, on voit ce qui se passe en 2000, je suis bien prévu, je prévois maintenant, je suis très sûr, sur 2017. Ah ben. Alors qu'est-ce que vous prévoyez 2018, pas si mal que ça.
2019, je suis gay et je considère que tous ceux qui parlent de 2020 sont des escrocs. Est-ce que je peux faire remarquer à mon excellent collègue qu'il s'est un peu éloigné de la définition très précise de l'intelligence artificielle? La deuxième chose, lorsque tu dis qu'il n'y a pas eu de rupture, je pense qu'il y en a eu une, et qui est, du même que l'invention d'imprimerie a été une rupture considérable dans la propagation de la culture juste avant la Renaissance, eh bien l'Internet, je veux dire, si on demande aujourd'hui aux propriétaires de journaux comment ils doivent justement s'adapter à la disruption de l'Internet, etc. Ça, c'est une vraie rupture. Et puis, c'est aussi une rupture qui n'est pas scientifique, mais qui est véritablement sociologique. Donc, on vit une rupture. Alors, en ce qui concerne l'impact sur l'emploi. Oui, l'impact sur l'emploi, sur le travail. Moi, je partage, pour une fois, je partage le point de vue de mon petit camarade, à savoir que ce qui est bien, c'est que la nature humaine s'adapte. C'est-à-dire que, pareil, je prends un exemple. Alors, la télévision est entrée dans dans tous les foyers, on a dit la radio, ça va mourir. Aujourd'hui, la radio se porte très très bien. Et je veux dire, les gens écoutent autant la radio, peut-être même plus qu'ils ne regardent la télévision. Mais donc, moi j'aurais tendance à dire que je suis honnêtement, je ne partage pas l'analyse de ce candidat fugitif et passager, mais je pense qu'effectivement, de fait, l'intelligence artificielle, pour moi, elle va créer de l'emploi. Elle va aussi améliorer probablement la sécurité. J'en discutais avec Jean-Marc Janaillac, le patron d'Air France. Il me dit que dans 20 ans, il n'y aura plus de pilotes, parce que 75% des accidents sont dus à des erreurs humaines en avion, et sachez que c'est presque toujours quand le commandant de bord est aux manettes qu'a eu l'accident. Parce que personne n'ose lui dire qu'il fait une connerie. Et donc, on aura des avions qui voleront tout seuls. Et pour un cas comme le fameux atterrissage sur l'Hudson, qui a sauvé 150 personnes, c'est rien par rapport aux autres accidents que les hommes créent en pilotant. Sur les bateaux, les premiers porte-containers automatiques sont en train d'être construits. Le port de Montmou a un débarcadère totalement automatisé, il n'y a plus d'un docker. Les anesthésistes, mes chers collègues américains, ont vu rouge quand Johnson & Johnson a lancé Sedazis, le premier robot anesthésique qui faisait de l'anesthésie au fil de l'eau extrêmement mesurée en fonction des constantes du patient et non pas la dose à la cheval, comme ça, à la va-vite. Et ils ont gueulé, donc le produit accepté par la FDA a été retiré, mais la compagnie recommence. Et ils perdront, parce que pour 200 euros avec une anesthésie avec Sedazis contre 2000 euros avec l'homme qui peut se tomber, il n'y a pas de photo pour l'assureur. Donc on voit bien que les métiers vont changer. Je ne dis pas qu'il y en aura plus souvent, on voit bien que quand même il y a un impact considérable. Nous ne conduirons plus. D'ici 20 ans, le patron de Ford l'a dit aussi, les assureurs n'assureront plus les hommes et les femmes. C'est fini, sauf exception, on leur paiera une fortune, parce que les machines automatiques vont globalement faire mieux, et s'il y aura quelques accidents qu'on va médiatiser, globalement la circulation sera plus fluide, et ça se passera mieux avec moins de paiement. Donc tout ça fait qu'on est dans un monde quand même qu'il faut sacrément remuer. Je ne sais pas comment va faire l'Inde, qui aura 1,7 milliard d'habitants en 2050, qu'est-ce qu'on va faire? 2,2 milliards d'Africains, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner quoi? Je suis désolé, mais on continue à grandir, à pousser, il n'y aura pas du boulot pour tout le monde. Il va bien falloir s'organiser autrement, ou alors réduire drastiquement, comme le font les animaux lorsqu'ils sont trop nombreux, pour tracer la procréation. Nous sommes les seuls à ne pas nous limiter, sauf notre niveau de vie au monde. Donc il faut d'urgence acheter des produits chez les Chinois et chez les Africains, dans les niveaux de longtemps, ils baissent leur natalité. C'est une urgence absolue. La pauvre Europe que nous sommes, en 2050, sera à 600 millions. Nous devenons des nains. Et je me pose la question, avec cette évolution de l'intelligence artificielle, où nous n'existons pas, nous
n'existons pas. Je suis désolé de le dire, on a très bons chercheurs, on a très bonnes institutions, mais nous n'existons pas. C'est, les choses se font du côté du Pacifique, sur les chapitres, et c'est un vrai problème, parce que je me demande si nous ne sommes pas en train de nous regarder en disant la tradition judéo-chrétienne, les droits de l'homme, très bien, ces gens qui nous sont, ils s'en foutent. Avec le chinois, l'homme, il ne sait pas ce que c'est, moi je les connais bien. Ils savent pas ce que c'est qu'un individu, comme nous l'avons ici. Quand vous regardez un tableau chinois, vous avez une énorme montagne avec des nuages en haut, des pins qui traversent avec des nuages, une rivière tumultueuse, une barque, et puis il y a un tout petit mec, tout noir, on voit pas son visage, on voit un petit chapeau triangulé, une face comme ça. C'est le chinois dans le cosmos. Il n'existe pas, il est pris dans le monde. Nous, notre tableau, c'est le 18e siècle, avec le roi, sa tiare, sa couronne, son héroïne qui est là, qui domine. L'Européen, l'homme européen dominateur du monde. On est en train de se ramasser là, mais complètement, complètement. Il faut bien faire attention, et je t'assure, j'ai cette inquiétude de voir que nous ne parlons pas de la même chose. On parle de l'homme de civilisation à civilisation. Nous avons cru être universel. C'est faux. Il n'y a pas d'universalisme, parce que je ne suis pas sûr que la tradition chinoise confucianiste ou taoïste soit pire que notre tradition judéo-chrétienne, loin de là. Et nous avons beaucoup à apprendre d'eux, j'en suis convaincu. Donc je me méfie de cette vision européenne, d'une Europe qui est en fin de course, qui est incapable de lutter. Et si on commence à vouloir se réunir pour dire, va falloir faire attention, ça va être très difficile, parce que les autres vont me dire, vous êtes bien gentils, c'est pour nous emmerder. On n'en a rien à foutre de vos réunions. On continue. Guy, est-ce que vous m'avez laissé... Non, j'ai deux questions. C'est très intéressant ce que tu veux dire. La première question, c'est pourquoi est-ce que ce continent aussi riche, aussi talentueux qu'il aura, parce que j'ai pas envie qu'on se dévage en permanence, on reste quand même un pays, pourquoi est-ce que ce continent n'accroche pas sur cette révolution dont on voit bien ce que nous avons dit tous les quatre, qu'elle pose un problème d'intrusion dans la vie personnelle, elle pose un problème de liberté, elle pose un problème, tu as dit toi-même, je ne veux pas qu'on colle la puce, etc., dans la tête. Pourquoi est-ce que l'Europe est au fond si réticente à ça, tu en as tout éclipsé. Ça, c'est ma première question. Tu peux répondre à celle-là ? Non. Puis la deuxième va de pair. Moi, je t'entends depuis des années, je suis toujours fasciné par ce que tu dis. Sur le rôle du médecin, est-ce que, tu as dit tout à l'heure, assez rapidement, le médecin, il va jouer un peu de rôle, etc., il sera celui qui t'accompagne, mais comment ça va se passer, la disparition? Parce qu'au fond, la médecine, elle va se trouver aussi confrontée avec de nouvelles maladies, de nouvelles apparitions. Comment ça va se passer? Sur l'Europe, je crois que nous sommes d'une vieille civilisation. Fatigué sur ça, fatigué, on vit trop bien. On a des protections sociales fantastiques, un climat génial, il fait jamais moins 30 ou plus 40 dans ce putain de pays. Donc on n'a pas besoin de chauffer trop et de mettre de la climatité. Quand vous allez à Chicago, c'est ça, c'est moins 30 l'hiver et plus 40 l'été. Et en Chine aussi, donc nous avons acquis une qualité de vie exceptionnelle. Quand on se balade, tu te balades aussi. Quand tu te promènes avec d'autres pays, on est bien en France. On est bien en Allemagne, on est bien en Italie, on est bien en Espagne. On est peut-être un petit peu moins bien en Angleterre. Je ne leur dis pas. Mais toi, on est au sommet et on est en train de descendre tranquillement, assis sur nos acquis. C'est la première chose. Deuxièmement, sur le plan du médecin. Écoute, moi je crois que le plus beau, moi dans mon métier de chirurgie, le plus passionnant pour moi, c'était, outre bien sûr les développements des technologies, mais c'était la consultation. C'est rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas, qui t'en met une demi-heure, trois quarts d'heure, te raconte toute sa vie. C'est vraiment la relation d'être à l'aide qui fait véritablement un médecin. Et tu sais que dans l'Égypte ancienne, où tu avais les médecins généralistes et les spécialistes du temps des pharaons, les spécialistes étaient très peu considérés. Ils étaient dans les campagnes, ils vivaient mal, on se foutait de leur gueule. Il y avait le spécialiste des yeux, le spécialiste de l'abdomen, le spécialiste des jambes, il y avait le spécialiste des maladies incertaines. Extraordinaire, on a reconnu, c'est fabuleux. Et puis, les médecins généralistes, au contraire, étaient dans les temples, payés par Pharaon, et les gens leur apportaient des dons. Il nous faut revenir, non pas au MG, le médecin généraliste, mais au MG, le médecin global, qui prend en charge la globalité de ce que tu es, comme je l'ai dit au début. Et ça,
c'est une révision totale de la formation des petits carabins qui est à faire. Mes copains moyens ne sont pas encore très chauds là-dessus. Il faut arrêter d'apprendre le signe de grève, c'est l'anatomie par cœur. Il faut apprendre de la relation humaine, qu'on n'apprend pas du tout en médecine. Et pourquoi, je vais aller au bout, mais j'en finis, pourquoi on voit tant de mal-être chez les internes?